Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, c'est bon, tranquille. Bon, là, le dossier auquel on va s'attaquer, mesdames et messieurs, je le prends au sérieux. Hein. Il m'énerve ce dossier. Parce que là, Romelu Lukaku, attaquant de l'Inter Milan, a été victime de cris de chants racistes lorsqu'il a joué face à la Juventus. Oh là là, il a marqué son but à la dernière minute, ce qui a provoqué la haine, la rage chez les supporters de la Juve qui ont commencé à faire des cris de singes. Oh la vache, moi je comprends pas comment c'est possible qu'en Italie, ils aiment autant les singes. Dès que tu vas dans un stade, ils font les cris de singes. Mais moi j'ai quelque chose à vous suggérer. Peut-être qu'il faut remplacer tous ces humains qui se prennent pour des singes par des singes directement. Mettez les singes dans les stades. Peut-être que les singes vont faire preuve de plus de respect, vont être un petit peu plus calmes. Et même si les singes se mettent à crier, on va dire, ah, regardez, les singes, ils sont contents. Ils vont être là dans les stades. On va leur lancer des bananes. Et puis c'est fini, c'est tranquille, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Mais là, on voit des humains qui n'arrêtent pas de se prendre pour des singes lorsqu'il y a un joueur noir sur le terrain. Moi, je comprends pas en plus. Vous n'êtes pas au courant, supporter italien? T'es pas au courant? Il faut que je t'explique. Mais oui, les singes sont blancs. Oh la vache, t'es choqué? Non, relève-toi, je sais que t'es tombé. Mais oui, c'est la vérité. Les singes sont blancs. White. Eh oui, va raser le singe et tu vas voir sa réelle couleur de peau. Mais bien sûr, moi, je comprends pas. Comment en Italie, on n'est pas au courant de cette information? En plus de ça, mesdames et messieurs, il n'a pas été que victime de cris de singe parce qu'il y a l'arbitre sur le terrain qui lui a mis un carton rouge parce qu'il a fait sa célébration devant les supporters qui étaient en train de le provoquer. Donc là, qu'est-ce que l'arbitre est en train de nous dire? Que lui, il est littéralement d'accord avec le fait que les supporters font des cris racistes. D'ailleurs, même quand il a sorti son carton rouge, allez voir, hein, moi j'ai l'impression que lui aussi, dans sa tête, il fait les cris de singe. Hein. Ben ouais, c'est du grand n'importe quoi. Dans tous les cas, la Serie A, on le sait, c'est un organisme de tricheurs, voleurs, arnaqueurs. Combien de clubs se sont fait attraper pour tricherie? Pratiquement tous. Ils n'arrêtent pas de tricher, de faire du grand n'importe quoi. Et après, quand on leur dit, mais regardez, il y a du racisme, ils sont là, oh là là, circuler, il n'y a rien à voir. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Déjà que les joueurs n'ont pas le droit de s'exprimer, hein? Ils n'ont pas le droit de dire le fond de leur pensée, ils n'ont même pas le droit de se défendre. Et en plus de cela, c'est encore pire quand t'es noir. Mais oui, il faut se dire la vérité. Les gens ont la haine contre les noirs qui réussissent. On préfère voir les noirs dans le vide, dans le trou, plutôt que dans la réussite. Ça les énerve. Tellement, c'est du grand n'importe quoi. Regardez, Patrice Evra, lorsqu'il a fracassé, à juste titre, un supporter, tout le monde lui est tombé dessus. Mais lorsque Eric Cantona est parti mettre un coup de pied, on a pris cette photo et on a dit, regardez le roi, la légende. C'est comme ça. N'ayez pas la haine. N'ayez pas la rage de ce que je suis en train de vous dire. C'est la vérité. Eh oui, vous avez la rage contre nous parce que nous sommes cool. Nous sommes géniaux. On n'arrête pas de vous faire rigoler. On n'arrête pas de vous faire danser. Ça soit sur le terrain, ça soit partout. On vous fait tout. Sans nous, je ne sais pas ce que la planète serait.